Regard bienveillant et sourire aux lèvres, le philosophe et historien des sciences Michel Serres était au salon du livre de Jeune pour présenter Petite Poucette. Petite Poucette, en référence à sa capacité à utiliser le téléphone portable, est pour Michel Serres un être nouveau, éclos avec les nouvelles technologies. Après la révolution du passage de l'oral à l'écrit, après celle de l'écrit à l'imprimé, Petite Poucette vit la révolution du passage de l'imprimé aux nouvelles technologies, dans un monde bouleversé, en profonde et rapide mutation. Il y a eu, si vous voulez, une croissance verticale de l'espérance de vie qui fait effectivement que la moyenne d'âge auquel on mourait pour le grand-parent était entre 40 et 50 ans ou 45 ans. Et aujourd'hui, l'espérance de vie de nos compagnons est de 84 ans. Et ça change complètement la société. Mais ça touche tout, c'est-à-dire ça touche, je l'ai dit, la transmission des biens, on n'hérite plus au même âge, ça touche la longueur du mariage. Vous voyez, si j'aurais fidélité pour 5 ans, si j'aurais fidélité pour 60 ans, c'est plus le même mariage. Vous voyez. Donc, si vous voulez, dès lors que l'espérance de vie n'est plus la même, la vie n'est plus la même, et forcément la différence est capitale dans cette affaire-là. La puissance d'accès dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on peut accéder à n'importe qui, qu'on peut accéder à n'importe quel lieu, accéder à n'importe quelle information, fait que la puissance au sens du potentiel de chacun d'entre nous est devenue beaucoup plus considérable qu'un homme exceptionnel dans le passé. Et par conséquent, ça donne lieu à une réflexion nouvelle en politique, forcément. Et là, c'est une utopie, c'est-à-dire en effet... Aujourd'hui, l'accès dont nous parlons donne à chacun d'entre nous des lumières que nous n'avions pas avant. Et par conséquent, le problème politique se pose aussitôt d'une transformation possible de la démocratie. La société est en crise à tous les points de vue, au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue de l'enseignement, au point de vue de la santé, au point de vue religieux, etc. Et c'est justement cette crise-là que le livre Petite Poucette veut analyser. D'ailleurs, il fait suite, Petite Poucette, à un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Temps des crises, où précisément je définis ça, ce type de crise que nous sommes en train de vivre, et Petite Poucette est peut-être l'héroïne qui nous fera sortir de la crise. Comme à son habitude, Michel Serres a été généreux et accessible avec son public, venu nombreux. Retrouvez Petite Poucette aux éditions Le Pommier.